Je vous ai montré la restauration de l'Empire romain, ainsi que son centre à Strasbourg. Maintenant, j'aimerais que vous veniez avec moi dans cette seconde partie où je vais vous expliquer le livre de l'Apocalypse. Je vais vous emmener à présent à Bruxelles pour vous montrer ce dont parle l'Apocalypse, la femme écarlate et la bête. Il est intéressant de noter que les deux symboles principaux dont se sert l'Union européenne se trouvent en réalité tous deux dans la Bible. Le premier que nous avons vu dans la première partie de cette vidéo se trouve à Strasbourg, où a été construit le siège du Parlement européen sur le modèle de la tour de Babel. Le second symbole adopté par l'Union européenne est bien pire. En fait, le terme employé pour le décrire ne peut être autre que pervers et même démoniaque dans sa représentation de l'abus et de la dépravation. Il représente un acte criminel contre une femme, acte qui devrait aboutir à l'emprisonnement de celui qui l'a commis. Vous êtes choqués et je vous dois une explication. J'ai trouvé trois origines ou sources de ce symbole. Mais d'abord, en quoi consiste-t-il et où se trouve-t-il? C'est la sculpture de la femme sur la bête qui est la principale attraction devant le bâtiment du Conseil de l'Europe à Bruxelles. Son origine est facilement vérifiable. Cette sculpture représente le mythe grec du viol de l'Europe. C'est de ce mythe et de cette femme que le continent européen tire son nom. Cependant, nous trouvons aussi la même image de la femme chevauchant la bête dans la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 17 et au chapitre 13. La bête elle-même est révélée dans la vision de Daniel, dans l'Ancien Testament, au chapitre 7 du livre de Daniel. La première source de ce symbole, nous la découvrons dans la mythologie grecque, dans l'histoire de Zeus. Le père des dieux, ayant aperçu une très belle femme, Europe, seule sur une plage de Phénicie, remarquons en passant que cette plage fait aujourd'hui partie d'Israël, il voulut la séduire. Il se transforma en un taureau d'une blancheur étincelante avec deux cornes, en croissant de lune, et se coucha à ses pieds. La jeune femme monta sur son dos, et il s'enfonça dans la mer où il la viola. Europe conçut un fils. Quand elle mourut, elle reçut les honneurs divins en tant que reine du ciel, tandis que le taureau se fondait dans la constellation que nous appelons le taureau, et que nous voyons encore aujourd'hui. Il est facile de dire que je me trompe, mais ici, même à Bruxelles, à seulement un kilomètre du Parlement européen, avec ce symbole de la femme chevauchant la bête, se trouve un centre commercial. On y voit la même femme, et comme le montrent ces vues, il n'y a pas qu'un seul magasin, mais plusieurs qui s'appellent Jupiter, ce qui est le nom romain du père des dieux, appelé Zeus en grec. En plus de la sculpture devant le bâtiment du Conseil de l'Europe à Bruxelles, on trouve des tableaux représentant la femme chevauchant la bête à l'intérieur des bâtiments du Parlement européen, tant à Bruxelles qu'à Strasbourg. Comme si cela ne suffisait pas, les États membres de l'Union européenne utilise ouvertement ce symbole depuis le tout début et à des endroits où il ne fait aucun doute que tout le monde verra exactement ce qu'il représente. Par exemple,
L'image de la femme sur la bête, apparue dès 1948 sur le billet allemand de 5 marks. On la voit aussi dès 1979 sur une peinture sur le mur de Berlin. En 1984, elle est utilisée sur un timbre britannique pour célébrer les deuxièmes élections pour le Parlement européen. En 1992, on la trouve sur l'écu allemand. L'écu a précédé l'euro. Elle est également en peinture dans le salon de l'aéroport de Bruxelles. La représentation la plus évidente et la plus claire est celle qui a été imprimée sur une carte téléphonique allemande utilisable par tous. Enfin, de nos jours, elle est réapparue avec la mise en place de la monnaie européenne, l'euro. Nous retrouvons la même femme chevauchant la bête sur le revers de la nouvelle pièce de 2 euros en Grèce. Ceci nous amène à nous interroger. Les concepteurs de l'Union européenne cherchent-ils à faire passer un message ? Est-ce qu'ils laissent entendre que l'Europe d'aujourd'hui est en train de se faire violer? Et si c'est vrai, est-ce au niveau politique, financier ou spirituel? Et par qui? J'ai déjà fait allusion à la Bible où le chapitre 17 de l'Apocalypse présente cette femme comme une prostituée assise sur la bête, qui est décrite clairement avec 7 têtes et 10 cornes. J'en donnerai l'explication un peu plus tard. Mais la femme a aussi un deuxième nom, car sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone, que j'expliquerai également quand je vous montrerai que la Babylone antique se trouve en fait à Berlin. Les hommes de la Bible, qui vivaient dans les cultures grecques et romaines, et également hébraïque, connaissaient certainement les mythes qui formaient une part importante de la culture de leur époque. Même le Nouveau Testament fut écrit en grec, et l'inscription sur la croix de Jésus était dans ces trois langues, le latin, l'hébreu et le grec. Jésus probablement, mais Paul certainement, puisqu'il s'est servi d'illustrations tirées des Jeux Olympiques et qu'il a prêché à Athènes, et aussi Jean, qui a écrit l'Apocalypse, connaissait le mythe de Europe et du taureau. Apocalypse 13 présente la bête qui monte de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes. Dans l'Ancien Testament, cette bête apparaît sous deux formes. La première en Daniel 7, où en tant que quatrième roi ou royaume, elle a aussi 10 cornes, mais la plus significative est celle que je vais expliquer après. Dans toutes les situations que nous avons vues aujourd'hui en Europe, on observe que cette femme Europe chevauche une bête. Remarquons que là où cette histoire est relatée dans la Bible, il est dit que sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone, selon Apocalypse chapitre 17. Quand Jésus révéla à Jean la femme selon Apocalypse 17, assise sur une bête écarlate avec beaucoup de cornes, parlait-il prophétiquement de l'Europe d'aujourd'hui? Nous savons que l'Apocalypse est une prophétie. Est-elle en train de se réaliser? Et pourquoi cette femme est-elle appelée Mystère Babylone la Grande? Et à qui correspond cette puissante bête avec ses cornes? Dans la mythologie, cette femme, Europe, s'est attachée au Père des dieux qui s'était déguisé en taureau avec des cornes en forme de croissant de lune.
Le symbole du père du dieu païen du Moyen-Orient, c'est-à-dire Baal, d'après l'archéologie et la Bible, et Zeus ou Jupiter, d'après la culture grecque ou romaine, était un taureau avec des cornes en forme de croissant de lune. Et le dieu principal de la Babylone et du Moyen-Orient, dans l'Antiquité, était le dieu de la lune, lui aussi représenté par un taureau avec des cornes en croissant de lune, ou plus simplement par un croissant de lune. Nous avons toutes les raisons de croire que Allah est le même dieu de la lune que Mahomet a choisi d'adorer et qui est encore adoré par des millions de gens de nos jours. Le croissant de lune est le symbole universel de l'islam que l'on voit partout sur les drapeaux et sur les mosquées. Alors, quel rapport y a-t-il entre l'Europe et l'islam? L'histoire montre que depuis le commencement, l'islam est en lutte avec l'Europe. D'abord, les incursions de l'islam en Europe, en passant par la Turquie, les Balkans, l'Espagne et la France, afin de dominer l'Europe par la guerre. Puis, les invasions par les croisés européens sur le territoire biblique d'Israël, afin d'en arracher le contrôle des mains de l'islam. Ensuite, il y a 100 ans, la découverte du pétrole au Moyen-Orient a fait de ces nations islamiques les pays les plus puissants et les plus convoités politiquement et économiquement de la planète. Ce fut le début d'une union violente entre l'islam et l'Europe. Pendant la Première Guerre mondiale, les armées européennes se sont battues entre elles au Moyen-Orient. En 1917, pendant que les Français et les Britanniques repoussaient l'occupant turc et allemand d'Israël et de Jérusalem et des territoires voisins, le gouvernement britannique a négocié à la fois avec les Juifs et avec les Arabes afin d'obtenir le maximum de soutien, créant ainsi les origines des conflits actuels. La Grande-Bretagne a promis, premièrement aux Juifs, par l'intermédiaire de Lord Balfour, de considérer favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour les Juifs. Deuxièmement, aux Arabes, par l'intermédiaire du commissaire britannique en Égypte, de reconnaître et de soutenir l'indépendance des Arabes par rapport aux Turcs. Cette union violente entre l'Europe et les nations islamiques, qui a commencé à la Première Guerre mondiale, a pris une autre tournure à la Seconde Guerre mondiale. Le 30 novembre 1941, le grand mufti musulman de Jérusalem a rencontré Hitler pour passer un accord. Les Arabes musulmans apporteraient leur soutien à la guerre hitlérienne à condition qu'après avoir éradiqué les Juifs en Europe, Hitler éradiquerait le foyer national juif en Palestine. Arafat, avec qui l'Europe traitait aujourd'hui, est le petit-neveu de ce grand mufti qui a passé cet accord avec Hitler. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'union entre l'islam et l'Europe se poursuit. Une invasion pacifique de l'Europe est en cours. On accueille travailleurs immigrants et réfugiés. L'Allemagne compte 3 millions de Turcs musulmans. La France a 5 millions de musulmans nord-africains. Le Royaume-Uni compte plus de 2 millions de musulmans en provenance de ses anciennes colonies et d'ailleurs. En Grande-Bretagne actuellement, l'islam est la deuxième religion et celle qui grandit le plus rapidement. En Europe, l'islam s'est propagé grandement. Il a été accueilli en toute liberté. Des terrains ont été accordés gratuitement pour des mosquées et des écoles. Tandis que dans les pays islamiques, la culture européenne est réprimée et que l'exercice de la foi chrétienne y est interdit par la loi, nos pays européens ont peur d'offenser l'islam. Nos responsables chrétiens européens font des avances aimantes dans la pluralité de la foi envers le dieu babylonien de la lune,
Allah, et le reconnaissent comme une révélation autre mais égale du Dieu de la Bible. L'Europe, l'Islam et Israël, l'Union européenne, continuant la tradition d'Hitler, fait partie de ceux qui apportent le plus grand soutien politique et financier à la Palestine d'Arafat contre les Juifs. L'Europe, mois après mois, finance les organisations terroristes d'Arafat à hauteur de dizaines de millions de dollars, pris sur les impôts des Européens. L'Europe serait-elle cette femme sur le point de se faire violer par le taureau, l'islam, qu'elle chevauche? En juin de cette année, de grands journaux nationaux ont annoncé qu'à cause de la politique de la porte ouverte à l'immigration en Belgique, ce pays est devenu le quartier général de l'invasion musulmane en Europe. Le centre de commandement des forces militantes de Al-Qaïda se trouve à Bruxelles, où se trouve aussi le centre de commandement de l'Union européenne. Voilà où nous en sommes spirituellement aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez la gravité de la menace de l'islam ? Les musulmans adorent Allah, qui, comme nous vous l'avons montré, n'est autre que Baal ou le dieu de la lune. Pourtant, dans les pays occidentaux, ils sont invités à prendre part à des cultes interreligions. Dans les pays occidentaux, on parle des trois religions du livre. Les juifs qui croient en l'Ancien Testament, les chrétiens qui croient en la Bible entière et les musulmans qui croient en leur Coran. Mais Allah n'est pas du tout notre Dieu. Regardez le symbole qu'ils emploient. Le croissant de lune sur leur mosquée et sur leur drapeau a la forme des cornes d'un taureau. Il semble bien qu'ils adorent Baal, un taureau, le diable lui-même. Et quand on fait la comparaison avec les symboles en Apocalypse, chapitres 13 et 17, le viol de l'Europe par la bête, c'est encore à cause de ses cornes que la bête prend de l'importance. De nos jours, nous assistons à la montée d'un fanatisme musulman militant qui menace la stabilité du monde. Le président Bush l'a reconnu dans sa déclaration de guerre contre le terrorisme. Ce n'est pas seulement une question de conflit en Israël au sujet de la terre. Le fait est que les musulmans ont l'intention de détruire Israël entièrement. Mais il se peut qu'ils aient à détruire d'abord l'Amérique, parce qu'elle est la force qui soutient Israël. Ils ne veulent pas simplement Jérusalem ou les territoires dits occupés. Ils n'auront de cesse que tous les Juifs ne soient exterminés et chassés de leurs terres. Après Israël, leur prochain ennemi est l'Église. Les militants musulmans haïssent la croix. Ils haïssent tous les symboles chrétiens. À l'heure même, de partout dans le monde, chaque fois qu'ils voient des symboles chrétiens, ils construisent des mosquées pour montrer la supériorité de l'islam sur la foi chrétienne. Cela fait partie du grand combat où nous nous trouvons en cette fin des temps. C'est sérieux et nous avons besoin de prier. L'Arabie saoudite construit des mosquées partout dans le monde, même là où les musulmans sont peu nombreux. Mais en Arabie saoudite, on peut être mis en prison si on a une Bible. Et la construction d'églises y est interdite. Quand la ville de Rome a autorisé la construction d'une mosquée près du Vatican, la presse saoudienne y a vu une reddition à l'islam.
L'Ouest peut pratiquer l'interreligion et inviter des imams influents dans des cathédrales et des églises chrétiennes, mais l'accès dans les villes islamiques de la Mecque et de Médine, et même sur le mont du Temple à Jérusalem, est interdit à quiconque ne pratique pas l'islam.